Alors, comme Monsieur Renaud l'a mentionné, à cause de la pauvreté, à cause de l'absence d'opportunités, beaucoup de familles, beaucoup de personnes deviennent des mineurs artisanaux. Et j'étais vraiment surprise parce que beaucoup de personnes continuent d'utiliser le mercure pour la production ou pour le traitement des métaux. Et vraiment, nous sommes heureux et encouragés parce que nous pouvons devenir les partenaires financiers de Planet Gold dans ce projet vraiment impressionnant. Les nombres ici nous montrent le potentiel. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a à peu près 90 000 mineurs potentiels avec la possibilité vraiment de recevoir à peu près 1 million de dollars comme capital qui vraiment vise les nécessités et les besoins de ces mineurs. Je suis vraiment heureuse et je vais diriger mon équipe afin que nous puissions explorer des produits qui se focalisent sur les femmes qui travaillent dans ce type de d'extraction minière. Nous les appelons les payaqueras et le type de travail que ces femmes font est extrême, extrême, notamment en prenant en compte les dangers, en prenant en compte la santé. Et ces femmes sont les composantes clés de nos efforts. Vraiment, nous déployons beaucoup d'efforts afin d'émanciper les femmes à travers l'inclusion financière. Diapo suivante. Comme vous pouvez le voir, voici quelques photos de notre équipe qui est en train de visiter les mines. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avons commencé par un projet pilote avec Planet Gold et j'espère que nous allons avoir des résultats dans les 3 mois à venir. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ou peut-être que c'est la vidéo? Pour moi, comme mineur, je suis vraiment surpris. Nous avons besoin d'aide afin de devenir une entreprise officielle. Le projet Planet Gold Pérou vise à réduire et à éliminer les émissions de mercure qui viennent de l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or. Comme vous pouvez le voir, ce projet est en train de bâtir des ponts entre les entités financières et les mineurs. Nous travaillons avec Planet Gold afin de développer un plan et un modèle pour que nous puissions avoir un accès financier, accès aux finances, excusez-moi. Et ceci afin de réaliser les objectifs que nous visons. Les mineurs à petite échelle ont besoin d'à peu près 50 000 soles et seulement à San Juan de Churunga, par exemple, il y aura une possibilité d'investissement d'à peu près 2 millions de soles. Connaître ces personnes et concevoir des produits spéciaux pour elles va être une victoire. Il y a un groupe très intéressant de femmes qui sont appelées payaqueras et avec les produits qu'elles sont en train de produire, nous voudrions inclure l'approche basée sur le genre pour inclure les femmes. Palakeo est un produit brut que les mineurs jettent, ils le jettent dans leur poubelle et après nous travaillons sur la sélection des minéraux. Nous voudrions vraiment que ces entités financières nous donnent ces emprunts. Qu'est-ce que j'aurais fait maintenant? J'aurais investi afin d'acheter des machines pour continuer de l'avance. Ce projet se focalise sur 3 régions, mais nous savions que ce projet peut devenir international. Ceci va permettre aux personnes au niveau local de devenir plus dynamiques, va promouvoir le développement local et régional et va améliorer la qualité des vies. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voici notre engagement. Ce que vous avez vu dans les photos, comme vous avez vu, il y a les femmes qui travaillent dans ce type d'environnement et qui font ce type d'activité. Et en outre, nous avons les mineurs. Nous sommes engagés afin de façonner des produits qui vont aider ces personnes à réaliser, premièrement, la formalité, et ceci afin qu'elles puissent réaliser l'objectif en ce qui concerne les exportations futures et en outre, afin de les aider à améliorer leur environnement de travail.
travail et réduire l'utilisation du mercure, et non pas seulement être capable de créer un commerce qui est durable, et nous les aidons à recevoir cette inclusion financière, à développer cet héritage pour leur famille, cette richesse, mais aussi nous les aidons à maintenir et à rendre l'environnement du Pérou plus propre. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Rosanna, pour le travail que vous êtes en train de faire, pour les innovations que vous êtes en train d'explorer. Nous sommes vraiment, vraiment reconnaissants envers vous. Après, nous allons donner la parole à Miss Susana Morales. Susana est un spécialiste de marketing, et ceci dans la Banque nationale de l'Équateur. Elle est ingénieure chimique. Elle a participé à la qualification alors des opérateurs de l'extraction minière artisanale et à petite échelle. Elle a participé à l'exécution de l'achat de l'or, notamment dans plusieurs régions, et elle a aussi participé au processus de certification alors relatif. Alors, soyez la bienvenue, Susanna. Merci beaucoup. El rol de las instituciones financieras en la creación de cadenas de Alors, le rôle suministro de l'Institut des responsables institutions de oro. financières dans la création Ten de siguiente slide, por favor. chaînes d'approvisionnement responsable. Aquí tenemos las Diapositive fases de la actividad suivante, s'il minera. vous Tenemos la plaît. Voilà, vous pouvez prospección, la voir exploración, la ici explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización y cierre de l'exploration, mina. les El Banco bénéfices, Central del Ecuador entra en la comercialización de oro la a raffinerie notamment. compradores locales, productores Comme de vous la pouvez le pequeña voir, minería nous y sommes en minería train artesanal, de travailler de sur acuerdo le a la ley de marketing minería. de Y l'or, et ceci afin también de tienen otra pouvoir opción que es la produire l'or en prenant en exportación a compte refinerías le internacionales règlement directamente. adéquat, et en outre afin de Et la pouvoir le siguiente, por transférer favor. directement aux raffineries à l'international. Aquí Diapo tenemos suivante. nuestra Ici, cadena de nous valor. avons Nosotros notre iniciamos con chaîne el de registro de agentes valeur. Nous económicos de la pequeña commençons minería y par minería enregistrer artesanal, les aplicando filtros de debida agents diligencia. économiques. Ellos Nous realizan appliquons intenciones la de venta y realizamos diligence compras de oro responsable. no monetario, las cuales se registran en Et nuestra après, contabilidad como oro nous no monetario. avons. Luego pasamos Alors, por nous procesos de enregistrons cet or. certificación de Après, oro nous con passons par cumplimiento de des estándares processus de de refinería certification, certificadas por la tout en London étant Bullion Market conforme aux Association. normes Y finalmente se adéquates. Et ingresa nuevamente a finalement, nuestra contabilidad oro monetario, nous incrementando nuestras reservas de oro. mettons tout cela Todo esto dans nos aplicando filtros de debida registres. diligencia. Voilà Nosotros tenemos nuestras actividades de ce que nous apoyo como faisons. atención al cliente, Nous avons des comunicación social, activités aussi de soutien, nuestras comme la compras communication públicas, en sociale, las que se incluye todo el talento humano que nosotros tenemos, nuestros operativos de seguridad, soportes le fait de jurídicos, bâtir les tecnologías de capacités. información y Nous avons comunicación y l'IT, los les apoyos del communications, le soutien personal de légal et transportes. le soutien du La transport, siguiente, por notamment. favor. Diapo suivante. Nuestros objetivos estratégiques Nos son objectifs estimular desarrollo stratégiques económico en est de comunidades mineras, promouvoir le développement promover nuestra économique, política de precio justo, promouvoir notre apoyar la politique formalización de la de MAPE, asegurar prix requisitos de juste, debida diligencia en todo nuestro s'assurer proceso, que nous fomentar buenas appliquons prácticas de la diligence suministro, responsable dans notre incrementar la processus, reserva monetaria del promouvoir Ecuador, alors promover la inclusión notre financiera responsabilité y fortalecer monétaire, la dolarización. La fortifier siguiente, por l'inclusion favor. sociale. Diapo suivante, s'il vous Tenemos plaît. dos Comme vous pouvez modalidades le de compra. voir, Son la nous compra avons directa a les los modalités productores d'achat, pequeños les mineros y modalités mineros d'achat artesanales, direct qui, o des cuando produits no que nous podemos viennent de estar tan l'extraction minière cerca de un artisanale à sector petite o la producción échelle. es menor, Aussi, nous pouvons ellos usan un le intermediario que es un faire, nous ne pouvons pas le comercializador de faire, oro nous utilisons calificado, des intermédiaires, par el exemple cual des commerçants vendrá con su oro a nuestras oficinas aurifères. de comercialización, Nous tanto en la ciudad de allons alors Quito vers como en la nos ciudad de Machala. bureaux La de siguiente, marketing à por favor. Quibdach, alors. Diapo suivante, s'il vous plaît. Para nuestro proceso de Notre autorización de processus agentes económicos inicia con d'autorisation la recepción de commence par la formularios. réception de Vamos a la formulaires. dirección, vamos a verificar Après, datos en nous nuestra plataforma Datos vérifions Seguro, en la que se engloban todos los datos alors de les registro données dans notre civil, registros plateforme mercantiles, Data de Seguro. Voilà, servicio nous de avons les rentas internas registres para des verificar entreprises, estado le tributario, service la de recettes Superintendencia de en interne. Compañías, Ceci afin Valores de y pouvoir Seguros alors para les ver el impôts de ces estatus legal. entreprises, leurs assurances et Tenemos quelles el sont apoyo leurs, quelle est total leur de la statut Agencia
agencia de regulación y control de la energía y recursos naturales no renovables para validar el derecho minero. Luego vamos a la Dirección Nacional de Cumplimiento, quienes verifican los filtros de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, antecedentes penales, entre otros. Finalmente, al cumplir todos los requisitos, se certifican como agentes económicos, realizan una declaración de agente económico en la que declaran la procedencia de su oro e inician los procesos de venta. Nosotros también aplicamos visitas de licitud basadas en el código CRAF, en las guías de la OECD, para verificar la responsabilidad ambiental, empresarial, y realizamos todo esto porque finalmente nuestro oro será procesado en refinerías con certificaciones LBMA. Aquí tenemos fotos de nuestras visitas de debida diligencia en el sector Santa Rosa, en la provincia del Oro, es la concesión minera de NIS II. Aquí tenemos nuestros procesos de compra, tanto de fundición en crisol o fundición en hornos de inducción. Siguiente, por favor. Este es nuestro proceso de compra. Nosotros verificamos físicamente las barras, realizamos un control de finura por un proceso de densidades, realizamos la fundición completa de las barras doré, comprobamos la finura y elaboramos formularios de compra-venta. Finalmente, el minero presencia todo este proceso y él ejecuta su factura, la entrega al BCE, quien realiza la compra y nuevamente inicia nuestro proceso. La siguiente, por favor. Estas son nuestras cifras. Nosotros tenemos alrededor de 628 actores mineros registrados. Los únicos que han recibido sus certificados son 378. Hemos ejecutado compras con un porcentaje de 76% a pequeños mineros, 14% a través de comerciantes y 10% de mineros artesanales. Es importante destacar que los mineros artesanales se encuentran en aumento, en crecimiento en nuestras compras de oro. Esta es nuestra evolución de compras. Se destaca 90.92 millones en el 2018, ya que abrimos una oficina en la ciudad de Machala, que es un distrito minero cercano a los sitios de producción minera. Nuestro oro principalmente proviene de las provincias de Azuay, Zamora, Chinchipe y El Oro. Para el 2021, un 94.7%. En 2019 ejecutamos procesos de refinación, así como en el 2022, los cuales incrementaron 235 y 157.98 millones, respectivamente. Siguiente, por favor. Nosotros aplicamos filtros de debida diligencia que nos permiten identificar, evaluar, mitigar, monitorear e informar. ¿Necesitan realizar una pregunta? Para mitigar todos los riesgos en las actividades mineras. La siguiente, por favor. Esta es nuestra cadena de suministro. La MAPE realiza la producción minera en minas, plantas de beneficio, con sus debidos suministros, producen oro y realizan ventas de oro al BCE. Nosotros realizamos transferencias a las entidades financieras, generando la inclusión minera de la MAPE. La inclusión minera ha permitido más de 3.000 transacciones ejecutadas en el sistema financiero local. Tenemos esto genera cultura financiera, tributaria y confianza en la formalización, lo cual permite que las instituciones financieras puedan ver a los actores mineros como sujetos de crédito, porque ellos pagan sus debidos tributos. Como ejemplo, tenemos 1.49 millones por recaudación de impuestos en el 2021 de las ventas ejecutadas por la MAPE al BCE. Siguiente, por favor. Qui ont été reçus. Dentro de nuestras conclusiones, tenemos el proceso, nuestros procesos de refinación incrementaron 235 y 157.98 millones en la reserva. Nosotros tenemos, nuestro oro proviene principalmente de las tres provincias de producción, del oro, Azuay y Zamora Chinchipe. Nuestros sistemas de comercialización de la MAPE son dinámicos, competitivos y suponen un cambio, un mejoramiento continuo en la cadena de suministro de minería.
amélioration dans El rol del la BCE en chaîne la cadena de suministro d'approvisionnement, le permite rôle de identificar BCI dans la chaîne la inclusión d'approvisionnement permet financiera, d'identifier transferencias l'inclusion y transacciones financière, les realizadas transferts et les transactions dentro qui ont été de las réalisées instituciones financieras dans en la les MAP. institutions financières et Y les ceci permite ser au sein de sujetos de l'ECJM crédito. ou de l'EMAP. El BCE constituye un canal entre BCI la MAP constitue y le las entidades canal entre financieras, l'EMAP lo cual et les generará productos entités crediticios en los financières, cuales ceci estamos afin de trabajando con apoyo produire des emprunts, des del programa crédits de pour químicos soutenir le desarrollado por secteur el programa de minier las Naciones et Unidas avec para el le desarrollo. soutien du El programme des éxito de Nations nuestras Unies, estrategias de du programme des inclusión Nations Unies pour le financiera développement, dependen del qui ont compromiso y conduit les coordinación de todas las stratégies partes dépendent de interesadas, públicas y privadas, l'inclusion, en el dépendent de la sector financier. coordination des secteurs privés et Muchas publics et bien gracias. entendu du secteur minier. Merci beaucoup. C'est tout. Merci, merci beaucoup. Vous êtes en train de travailler dans la République démocratique du Congo. Je suis quelqu'un qui travaille, excusez-moi, dans la République démocratique du Congo et je vois vraiment comment nous pouvons utiliser tout cela. Nous nous attendons vraiment à rester en contact avec vous, avec votre équipe. Ce sera quelque chose d'excellent. Maintenant, nous allons prendre une petite pause pour voir s'il y a quelconque question qui nous provient de notre public. S'il vous plaît, utilisez alors la fonctionnalité questions-réponses qui se trouve sur la droite de votre écran. Ceci afin de poser des questions à Susanna ou à Rosanna et ceci basé sur leur présentation. Et étant donné que nous sommes dans un environnement ou dans une réunion trilingue, s'il vous plaît, posez vos questions dans quelconque langue. Alors, nous avons une question. Alors, Marcela Diega nous pose la question suivante. Je vais la poser en anglais, mais je vais demander à Jérôme de la reposer alors en espagnol à Susanna. Je pense qu'elle est adressée à Susanna. Alors, Susanna, comment est-ce que vous savez que les mineurs, alors comment est-ce que vous savez que les mineurs qui sont en train de vendre l'or ne sont pas alors des intermédiaires qui sont en train d'acheter alors cet or à petit prix des mineurs eux-mêmes et ils sont en train de le vendre à la Banque centrale de l'Équateur? Alors, est-ce que je peux répondre en espagnol? Alors, Jérôme est en train de m'aider. Jérôme, est-ce que vous pouvez traduire, s'il vous plaît? Alors, oui, en espagnol, s'il vous plaît. Vous pouvez répondre en espagnol si vous le voulez. Alors. Alors, il y a des factures qui sont présentes et il y a une certaine remise contrôlée et les producteurs sont, les fabricants sont aussi qualifiés par la BCE. Alors, s'il y a une remise encore plus grande, parce que la remise est contrôlée, il peut y avoir alors des ventes directes à la Banque centrale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne pense pas que nous avons beaucoup de temps. Parce que nous allons continuer avec la deuxième partie de notre session, mais je ne pense pas qu'il y a des questions. Alors, merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Susanna. Merci beaucoup, Rosanna. Et maintenant, nous allons continuer avec la partie suivante de notre session. Je suis vraiment heureuse de vous présenter nos deux panélistes suivants qui vont alors parler à propos du travail que nous sommes en train de faire tous. Alors, nous, le projet USAID Clean Gold, qui est intitulé Adhabu Safi dans le contexte de la République démocratique du Congo. Alors, nous avons Monsieur Gaylord Osak, qui est à la tête du département des micro et petites entreprises à Equity BCDC.
Bank, et nous avons aussi David McAvoy qui travaille alors au sein du bureau de PDG à Trust Merchant Bank. Alors, ce sont deux banques qui ont des opérations dans toutes les régions de la République démocratique du Congo. Alors, soyez les bienvenus, cher Gaylord, cher David. Alors, je vais commencer cette conversation par une question vraiment basique, afin de vous donner une opportunité de partager les visions respectives de vos banques. Alors, nous allons commencer avec Monsieur Gaylord, et après nous allons donner la parole à David. Alors, la question est la suivante. Quelle est votre vision, la vision de votre banque? Comment est-ce que vous allez soutenir le secteur alors de l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or dans la République démocratique du Congo? Alors, Monsieur Gaylord, la parole est à vous en premier. Alors, bonjour à tous, bonjour à Nikki. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez reposer votre question? J'avais un problème technique. Alors, bien Quelle entendu, je est vais la poser la vision question de en votre français. banque sur la façon dont vous envisagez de soutenir le secteur d'exploitation minière artisanale et à petite échelle en RDC? En anglais, Alors, à nouveau, comment est-ce que vous, votre banque, vous allez, quelle est votre vision dans le soutien alors de l'extraction minière artisanale et à petite échelle alors dans la République démocratique du Congo? bien, je vais répondre plutôt en français pour être plus à l'aise. please. Et par rapport à la question posée, hein, qui est la vision de notre banque Equity BCDC sur ces secteurs particuliers, je note tout d'abord que la banque a une approche très inclusive. Une approche inclusive pour atteindre justement les populations, les entrepreneurs qui sont écartés du système classique, qui sont écartés des institutions modernes et créer des outils qui permettent au fait à toute cette population qu'on trouve bien dans les zones rurales comme dans les zones urbaines à accéder justement dans le circuit classique bancaire. Et aussi, l'accès au crédit est un autre objectif de la banque qui est justement de permettre la création de valeur au niveau de coopératives, au niveau des entrepreneurs d'une manière générale. Et ceci ne s'écarte pas pour les secteurs d'exploitation minière artisanale à petite échelle en RDC. Bien sûr, bien entendu, le regard des risques est aussi un point très, très, très capital, notamment tout ce qu'il y a autour de ces différentes structures, notamment des secteurs d'exploitation minière artisanale, où vous avez le taux de l'informel est très, très élevé. Les structures sont peu formalisées ou quasi informelles d'une manière ou d'une autre. Mais vous avez aussi les secteurs qui est lui-même perçu d'une certaine manière à haut risque, puisque il y a beaucoup de points qu'il faut aller souligner dans ces secteurs. Vous n'avez pas une clarté en termes des états financiers, vous n'avez pas une clarté en termes des due diligence qui sont menées pour la constitution des coopératives, vous n'avez pas une visibilité qui est bien claire aussi sur la partie de la sécurité des fonds une fois que la banque s'avance pour le financement. Mais il est à noter qu'aux côtés de ces points soulevés, il y a une opportunité. Il y a une opportunité qui permettra justement à la banque de participer au développement. Doter des capacités en structurant d'une manière ou d'une autre, nous le faisons seuls parfois et aussi avec des structures qui nous accompagnent. Par exemple, ce travail avec Zahab ou Safi, ça nous a permis d'avoir une visibilité par rapport à la traçabilité, à la compréhension même du modèle, mais aussi à mettre en place des structures qui permettent d'approcher. Donc, notre vision est bien claire, c'est d'inciter l'accès au financement de ces acteurs, mais aussi en mettant en place des outils. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Il faut mettre des outils à moindre coût. Par exemple, vous n'avez pas un niveau de connectivité à Internet sur ces sites. Aujourd'hui, avec les plateformes USSD, avec les telcos, c'est vraiment une stratégie de mutualisation pour placer les outils qu'il faut pour
ces différents acteurs. Mais aussi, au-delà de l'accès justement à l'inclusion financière, il y a également l'accès au financement, qui reste une vision qui est tout à fait claire pour doter des capacités, créer de la valeur et sûrement accompagner ces investisseurs, accompagner ces coopératives, accompagner tous les acteurs de la chaîne de valeur dans un épanouissement et aussi inciter le développement dans les zones rurales. Voilà. Merci, merci beaucoup Gaylord. David, la parole est à vous. Quelle est alors la vision de TMB? Comment est-ce que vous allez aider l'extraction minière artisanale à la petite échelle dans la République démocratique du Congo? Alors, merci à vous tous et merci alors de m'avoir invité à participer à cet événement. Alors, j'espère que vous pouvez m'entendre très bien. Permettez-moi de vous donner un tout petit peu de contexte sur TMB. Alors, nous sommes une banque qui se focalise sur l'inclusion financière et qui travaille au sein de la République démocratique du Congo. Nous avons des services dans l'intégrité du pays. Tous les pays peuvent bénéficier d'un service d'une banque telle que nous le sommes. Nous sommes présents depuis longtemps dans le secteur, mais du fait de différents risques identifiés, nous n'avons pas pu être pleinement présents et engagés dans le secteur comme nous l'avons voulu. Nous avons vu également la question de la dollarisation de l'économie. En tant que banque universelle, nous avons la capacité d'étendre certaines couvertures, puisque notre réputation combine la question de la gestion de risque et du secteur financier. Nous avons également notre vision d'intégration par le biais de trois piliers de vision. La première vision est de déplacer nos institutions au niveau international grâce à une approche de limitation et de gestion des risques dans le secteur, dans le milieu en RDC. Nous voulons également encourager la formalisation des SGM, également au-delà du simple fait de fournir un compte bancaire, mais également fournir des services financiers pouvant permettre d'améliorer la productivité, d'établir toutes les prérogatives environnementales. Et nous voulons également soutenir les communautés au-delà de l'activité de SMA, mais également avoir une approche beaucoup plus inclusive dans leur activité d'affaires. Nous nous concentrons vraiment sur le secteur bancaire de la RDC en échelonnant et en développant nos efforts afin de faire preuve de davantage d'engagement dans ce secteur. C'est notre vision à haut niveau. Notre intention est de fournir des services bancaires en permettant de fournir des comptes en dollars, en euros, et des produits de location de leasing également. Par exemple, le client SM que nous traitons comme tout autre client dans notre banque. Notre orientation en termes de financement permet d'avoir des gains en termes de productivité. Nous sommes vraiment ouverts et conservons l'ensemble des participants dans le secteur, depuis les mineurs à petite échelle artisanaux jusqu'aux gros exporteurs. Notre vision est vraiment une vision sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et la chaîne de valeur. La question également de développement d'activité dans le secteur. La clé essentielle de développer une plateforme de banque mobile, en particulier sur la phase initiale de banque SGM. Également, nous fournissons un certain confort et de sécurité additionnel concernant le suivi des différents flux financiers.
cela contribue pleinement à notre réputation et nos compétences en termes de cette nouvelle approche financière. Nous attendons à développer les premières franchises à low cost grâce à notre principal argument économique. Cela vous donne donc un petit peu un aperçu des différents intérêts. Très rapidement, nous pensons que nous avons récupéré énormément de données de l'ensemble de nos clients. Cela nous permet d'effectuer un effet de levier et permet d'avoir accédé donc à ces données. Et nous utilisons ces données. Pour vous donner un exemple, si nous récupérons des données concernant les normes et performances environnementales, cela montre une tendance positive pouvant permettre de garantir l'accès à un financement vert, par exemple. Donc, différentes manières d'interagir finalement sur l'ensemble du secteur. Merci beaucoup, David. Je commencerai avec vous pour la deuxième question. Nous avons énormément de questions qui nous parviennent ici dans la boîte de chat. Et je vois énormément de questions auxquelles nous répondrons à l'issue de cette conversation. La deuxième question, David, nous commençons avec vous. En termes de partenariat avec l'USAID, vous avez réalisé donc votre vision sur dans le contexte bancaire. Comment avez-vous envisagé votre partenariat financier? La deuxième question sur le TNB, c'est ça? Oui, alors, je soulignerai les mots accès et confiance, qui sont accès et confiance sont les deux mots les plus importants. Sur la façon par laquelle nous opérons en RDC, dans le secteur bancaire de la RDC. Donc, nos partenaires au niveau international et local, nous avons identifié des problématiques, des risques, en tout cas pour la banque TNB, nous voulons vraiment créer de bonnes relations avec les banques internationales, à la fois en dollars et en euros. Et il y a vraiment des risques existentiels si nous perdons l'accès à l'euro et au dollar. Un projet destiné justement à élever le niveau de confiance à l'égard de nos partenaires et nos actionnaires grâce à différentes entités permettant justement la cooptation qui permettent d'acquérir davantage de confiance. Et nous identifions au cours de la phase pilote, comment augmenter ce capital de confiance, garantir l'accès également à des prêts et justement développer cette confiance pour aller de l'avant par la suite. Donc garantir l'accès à nos partenaires et l'accès par exemple cela peut sembler évident, mais lorsque vous venez d'une banque BNP, il y a énormément d'initiatives sur l'ensemble du secteur, de programmes établis, mais qui sont très chronophages. Je pense que la deuxième partie du programme nous fournit, nous permet en tout cas de développer une relation avec nos partenaires. Et nous savons que ces partenaires sont là principalement pour une raison de confiance. Très bien, merci David. Monsieur Gaylord, la même question, deuxième question. En quoi le partenariat avec Zahavu Safi est-il utile à la réalisation de votre vision comme une banque commerciale? Oui, merci beaucoup, Madame Niki, encore une fois. Je pense que j'étais très, très enchanté de finalement assister dans des
travaux de mise en place de ces projets avec Zahabou Safi, avec USAID, pardon, dans le programme Zahabou Safi. Et je peux, dans la parenthèse, féliciter toute l'équipe hein, pour le prouesse qui ont été données et qui ont été faites, réalisées dans la mise en place. Et honnêtement, j'avoue que nous connaissions très mal les secteurs des ACM particulièrement. Nous avons, au travers de cette collaboration avec Zahabou Safi, compris que la connaissance devait être aussi orientée vers les difficultés de tout le jour de ces acteurs. Ça m'a bien excité de prendre aussi mon petit sac à dos, descendre sur terrain comme vous, et puis comprendre, faire face à tout ce que vivent ces exploitants miniers artisanaux à la petite échelle. Et l'apport justement des actions dans la compréhension justement des diligences nécessaires sur la traçabilité, puisque c'était une des grandes questions, vous comprendrez avec moi que les plus grands risques aujourd'hui que court une banque, c'est un risque réputationnel. Et si on s'adresse aux mauvais acteurs qui travaillent, par exemple, dans le sens des blanchiments des capitaux, et c'est la réputation qui peut bien entraîner. Alors, les données qu'a mis à la disposition Zahabou Safi à notre égard nous a permis de comprendre un peu de end-to-end le circuit de la traçabilité de chaque acteur, le rôle de chaque acteur, ainsi que les ressources carrément en termes d'identification qui est très importante. Aujourd'hui, nous avons évoqué le fait que l'économie soit dans l'informel. Là, je prends les volets documentaires où vous avez la documentation qui n'est pas très bien claire, mais rassembler tout le monde autour d'une table, que ce soit les ministères des tutelles, que ce soit les acteurs de toute la chaîne des valeurs, que ce soit les institutions financières, nationales comme internationales, eh bien, ça donnait une visibilité sur les différentes étapes et je peux saluer cet apport. Et pour réaliser notre vision, bien entendu, avec cette collaboration, nous devons finalement être en même de construire des modèles de financement qui sont dédiés à chaque acteur de la chaîne des valeurs, en parlant de la coopérative d'une manière globale, mais en son sein, il y a des acteurs qui doivent être autonomisés aussi pendant des périodes où ils ne creusent pas, comment le prendre en charge, qui doivent être bien outillés pour la sensibilité après avoir fait un travail en amont de les inclure dans les secteurs. Donc, la vision qui est la nôtre, comme je le disais tantôt, l'inclusion financière, au travers les informations que nous a mises à disposition dans le programme Zahabou Safi, ainsi que l'accès au financement au travers la compréhension de carrément, je vais dire, du business model de ces coopératives, de ces ACM, eh bien, ça a permis à la banque de mettre en place justement des outils de financement. J'ai vu des questions dans les chats en passant. On va y revenir peut-être, mais pas simplement pour rester dans les sens classiques de financement pour une banque. Vous savez, c'est très facile. Une banque, quand il a un business à côté, il a des garanties à côté, eh bien, il met en place les financements et on avance. Mais avec les travaux que nous avons faits en co-construction avec Zahabou Safi, eh bien, ça va nous permettre de mettre en place justement, si pas ça nous a permis de mise en place, je vais dire ici, des produits justement qui tiennent compte de ces différents défis, de ces différentes difficultés aussi récoltées pour lesquelles certaines ont eu réponse dans l'interaction avec les programmes Zahabou Safi. Merci, Monsieur Gaylord. Donc, la dernière question pour vous deux, the last question for both of you. And on va commencer avec Monsieur Gaylord. So we'll start with you, Mr. Gaylord. I'll read the question in English and then in French. What challenges might you face, if any, with the international banking sector as you start to explore the financial products and services that you have talked about to promote responsible production and exports of artisanal gold? Donc, quel défi pourriez-vous rencontrer le cas échéant avec le secteur bancaire international alors que vous commencez à explorer ces produits
et services financiers pour promouvoir la production et les exportations responsables de l'or artisanal. Monsieur Guélon. OK, merci encore une fois, Madame Niki. Eh bien, les défis sont énormes, mais je me permets quand même de me synthétiser, de prendre le plus criant. Normalement, en approchant ces secteurs, vous avez un problème d'éducation financière, pas seulement les mots. Les gens n'ont pas, les différents acteurs, je vais dire, n'ont pas, pour la plupart, tel que nous avons réalisé dans notre approche, nous avons remarqué qu'il faut aller vers l'éducation, comprendre un peu le besoin en termes de formation et répondre. Donc, le plus grand défi, c'est la compréhension même de la destination même de produits de financement. C'est un problème culturel. On a été habitué dans mon pays par des dons. Lorsqu'on fait sa coopérative, il y a de l'argent qui venait de gauche à droite. Mais là, nous parlons d'un apport en termes d'emprunt et qui doit être mis dans la destination de l'objet dans lequel il a été demandé. Donc, le premier point, c'est qu'il faut que cette population, qui sont du reste pas totalement analphabètes, mais pour la plupart, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accédé à la scolarité et qui constituent justement pour la plupart des membres de ces coopératives. Donc, il faut chercher des partenaires pour ces volets, principalement de la compréhension de la matière. Quand on parle des produits de financement, des produits crédits, des produits d'épargne, pourquoi il faut financer, pourquoi il faut travailler avec une banque, quelle est l'intervention de la banque, la destination même de l'investissement. Il y a la partie vraiment éducationnelle et ça va vraiment dans le sens de notre volet qui est plutôt social dans notre exercice dans le pays, dans les populations, dans les villes dans lesquelles nous sommes implantés. À part justement le niveau d'éducation financière qui est très, très, très bas et pour lequel il faut faire un apport très suffisant, il y a également le profil, je vais dire le profil même de ces acteurs. Quand on parle des exploitants miniers artisanaux, il y a déjà un regard assez lointain en termes de financement. Pourquoi ? Puisque on n'a pas toujours le même niveau d'information. Donc, l'accès à l'information aujourd'hui est très capital, puisque je peux mettre cet accès à l'information à des niveaux. Premièrement, au sein de ces entités, au sein de ces ACEM, la documentation sur la structuration financière, même à bas niveau, même en termes des états préliminaires, pas vraiment dans le sens des états financiers proprement dit, mais il faut en arriver là. Ça va tout de même avec l'information. Donc, cette accessibilité à l'information ne permet pas aux banques, justement, d'être très, très bien à l'aise dans leur métier au quotidien. Donc, les degrés d'information, ça doit être un problème. Mais la problématique aussi de la compréhension même de la gestion, la gouvernance au sein des coopératives, la gouvernance au sein de ces secteurs d'exploitation minière artisanale, de tout le maillon de l'écosystème. Donc, on a ces grands défis qu'il faille relever. Et la bonne nouvelle est que l'approche que nous avons, c'est une approche plutôt écosystémique qui permettra, une fois qu'on a bancarisé tous les acteurs, puisqu'on a apporté des outils comme nous avons dit, il faut par la suite, justement, arriver dans le sens de financer sans pour autant avoir peur des derniers défis qui est justement les garanties. Les garanties ne sont pas toujours clairement définies, mais moi, je pense qu'avec le modèle simplifié de fonds de garantie, je vais dire ici, tout le monde doit mettre la main dans la pâte avec les mécanismes de partage des risques. La banque peut aussi inciter son appétit en termes de financement. Il avance en dire que si nous connaissons aussi un marché bien défini, puisque l'accès au marché reste aussi un grand défi, hein, une fois on a une visibilité là-dessus, on peut mettre en place, bien entendu, un modèle qui est plutôt sans appel des garanties classiques proprement dit. Voilà. Merci. Il y a des questions dans le chat ici concernant les réponses d'intégration.
Quels sont les défis que vous pouvez faire face pour pouvoir explorer ces nouveaux produits et services financiers? Nikki, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait, oui. C'était la dernière question. Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Laissez-moi donc vous parler un petit peu du secteur bancaire. En RDC, nous avons des défis concernant la confiance en termes de situation bancaire. Avec le secteur JM et SM, c'est vraiment un grand aspect du risque. Laissez-moi vous présenter le contexte dans une banque. Dans la RDC, environ 1 million de personnes engagées dans ce secteur-là. En termes de transactions dans le secteur, je ne pense pas que le système pourra fournir 0,5% du revenu brut sur les 5 prochaines années. Si vous êtes une banque internationale, le secteur est lié à la gestion des risques de capitaux. Et pour les banques internationales, la question est pourquoi nous prendre la peine, pourquoi nous impliquer s'il n'y a pas d'intérêt manifeste. Donc je pense que pour nous, le défi est tout d'abord d'aider dans un contexte bancaire, d'informer, d'éduquer concernant l'importance du secteur ASM pour nous. Et pourquoi nous avons besoin justement de participer à cette diminution des risques. Et c'est peut-être l'activité de base du secteur SLM, mais c'est le mandat également du secteur SLM pour pouvoir financer le mandat aux différents marchés. Nous devons vraiment être pertinents. Nous devons nous investir dans les secteurs qui nous intéressent. Mais certainement avec d'autres partenaires doivent avoir et acteurs doivent avoir la capacité d'influencer les banques dans une approche de limitation des risques et nous ont engagés pleinement avec le secteur concerné. Je pense que lorsque l'on considère des transactions en euros ou en dollars, le Royaume-Uni, par exemple, qui peut utiliser RBC ou Deutsche Bank, qui finance la RDC ou d'autres banques encore, ou JP Morgan, par exemple, où nous avons deux banques au milieu de ces flux bancaires et financiers. Mais statistiquement, vous pouvez gérer ces flux financiers régulièrement, ou en tout cas sur un délai de 40 à 60 jours. Par exemple, pour les exportateurs et les importateurs, une gestion, des problèmes de gestion, en tout cas, de ces flux financiers qui peuvent prendre des délais de 40 à 60 jours. En deuxième point, pour les banques, comment gérer les données de flux financiers? Les banques doivent avoir la facilité de gérer les questions de risque liées au crédit. Et c'est vraiment ce sur quoi nous nous concentrons. Ce n'est pas chose facile. Je pense que certains acteurs partenaires veulent s'engager et nous soutenir davantage, mais nous, dans un contexte d'économie où c'est le dollar très fortement qui est impliqué sur l'ensemble de ces échanges entre les différents secteurs. Les
transactions doivent être je pense que nous avons perdu David, un problème de connexion. Alors nous avons une question pour conclure notre conversation, des questions ici qui sont présentes dans le chat. Peut-être pour vous, Gaylord et David, pour commencer à répondre à certaines d'entre elles. Alors, en tout cas, pour les dernières 4 minutes qui nous restent. Donc, M. Gaylord, il y a des questions dans la chat et on va peut-être répondre aux questions. Commencer par la question qui provient de Samuel. Dans le contexte de la RDC, la question est, y a-t-il des institutions financières consacrées, qui se consacrent aux activités financières PSGM? On peut peut-être commencer à répondre à cette question. À votre connaissance, y a-t-il des institutions financières qui sont consacrées uniquement au financement aux activités artisanales minières à petite échelle? Certaines de ces banques peuvent-elles avoir également un intérêt pour pouvoir s'engager et être partenaires et développer des produits financiers et des services financiers pour les activités minières artisanales à petite échelle? Donc, c'était la première question. La deuxième question concerne les préfinancements. Si les coopératives reçoivent des préfinancements pour leurs activités, quelles sont les garanties demandées? Donc, M. Gaylord, vous avez parlé un peu de garanties. Est-ce que Equity, il considère le préfinancement comme un produit, et si oui, quelle sorte de garantie sera nécessaire pour les accéder? Effectivement, nous considérons le préfinancement comme un des produits qui peut être donné directement à ces acteurs, hein, aux ACM. Et vous comprendrez avec moi que s'il y a une relation particularisée entre la coopérative et la banque, vous avez une canalisation de flux qui sont bien contrôlés. Et une fois que tout ceci est bien contrôlé, à l'autre extrémité, vous avez les marchés qui est certain, les marchés qui est bien ciblé. Une fois que vous avez un marché bien certain, vous avez une bancarisation aussi totale de la structure, il est facile de mettre en place un préfinancement pour les activités. Ça peut être en termes d'équipement, ça peut être en termes d'amélioration des conditions des travailleurs, et on va avoir une expérience, carrément un modèle qui prend le modèle tel que nous l'avons fait avec les coopératives agricoles, où nous avons mis en place un contrat tripartite. Vous avez l'acheteur, vous avez la coopérative, vous avez la banque. Au travers de ces mécanismes, le juriste nous donne une possibilité, effectivement, de financer sans garantie. Mais de l'autre côté aussi, vous avez, comme je l'ai dit tantôt, la banque fait généralement appel justement à des fonds de garantie. Ce sont des garanties silencieuses. On ne les dira pas si on l'a ou pas. Mais aussi, ça permet à la banque d'atténuer ses risques et de caper justement le préfinancement sur un niveau de risque plutôt plus incitatif que si on n'a rien absolument entre ses poches. Voilà. En 30 secondes, pour répondre à une question du chat, ravi que vous nous ayez rejoint à nouveau. On parle de ces initiatives pilotes, de ces partenariats dans lesquels les banques s'engagent. Alors, quels sont les défis que vous avez pu peut-être identifier pour faire évoluer justement ce scénario pilote? Alors, je parlais d'opportunités. Alors, plus nous identifions les risques au sein du secteur, je pense que lorsque nous avons envisagé une réponse au sein du secteur bancaire, comment pouvoir présenter par exemple une plateforme en termes de gestion, nous savons que les autres secteurs font de même en RDC, donc nous pouvons nous l'appliquer très facilement. Et
un domaine d'intérêt concerne par exemple les pipelines sur la quantité de d'informations disponibles, la quantité de data disponible au niveau de la banque, nous ne l'avons pas considéré comme étant une responsabilité primordiale, mais cela nous permet en tout cas de développer les propositions lorsque nous ne vendons pas autre chose que des produits bancaires. Je pense que c'est tout à fait, nous avons tout à fait la possibilité de faire évoluer cela. Tous les secteurs sont évolutifs. C'est une question universelle. Merci beaucoup, David. Merci, Gaylord. Ça a été vraiment une conversation particulièrement intéressante. Vous avez tous suggéré les différents programmes et partenariats d'une perspective de compréhension du secteur, d'accès aux informations et de confiance également. C'est vraiment ce qui nous permet de faciliter l'accès à ces projets pilotes, mais aller au-delà de ces simples projets pilotes pour travailler bel et bien sur ces programmes et d'engager vraiment les questions de financement des institutions et en termes de durabilité également. Nous voyons que c'est quelque chose que nous souhaitons pleinement explorer et comment développer ces partenariats. Merci Gaylord, merci David. Je cède la parole à Abiola pour passer à la session suivante dans le programme. Merci à tous les deux.